les décors dans la vie, moi j'en vois partout. Moi j'aime aller, oui, j'allais monter sur les toits, sur les rooftops à New York. J'étais très influencé, c'était tout, justement tout ce qui était décor de cinéma. À l'époque, on créait, que ce soit en passant par Tarzan, Johnny Westmuller ou Hôtel du Nord, où finalement c'est une réalité un peu poétique, sublimée. Et ça m'a toujours vraiment fasciné. Je voudrais monter pour l'année prochaine une grande exposition, état des lieux sur les grandes institutions, l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, et qui sont toujours évidemment liés à la garde républicaine, qui est garant de la sécurité donc des institutions, et donc finalement boucler cette grande série sur les institutions de l'État. J'ai eu la chance de rencontrer des gens assez extraordinaires dans ma vie. Et je crois que je raconte simplement mon parcours, ma vie, mes rencontres. Mon papa était, dans le plus beau sens du noble du terme, peintre du dimanche. Et que c'est vrai que petit, le fait de peindre ne m'a pas paru impossible. Je voyais mon papa peindre le week-end ou les vacances, et c'était quelque chose qui devait être naturel. Le dessin, c'était vraiment ma forme d'expression depuis enfant. Le grand déclic de la peinture, ça a été la rencontre avec mon ami galeriste Pierre Guimbard. Moi, c'est réaliser des rêves, je pense. C'est concrétiser des rêves d'être artiste. Ouais.